Allô? Il y a du monde? Du Toulouse Game Show. Et il y avait ce putain d'enfoiré de joueur du grenier dans le coin. Et ça parlait au PSP et pognon. Et le joueur du grenier, voilà, le joueur du grenier à ce moment-là avait pris la décision de maigrir pour être plus drôle. Et c'est une OPSP, hein, évidemment. Tout le régime du joueur du grenier n'est évidemment qu'une manœuvre pourrie, hein, évidemment, pour plaire, évidemment, à la masse d'adolescents décérébrés qui traînent sur YouTube et qui veulent voir du beau, du surfait et du poli. Et à ce moment-là, évidemment, Nintendo a proposé au JDG pour 15 000 boules. Hein, j'étais là, j'ai vu les SMS, de maigrir pour être plus drôle. Et là, Ken Bogard, évidemment, finalement, voilà, c'était un mec qui faisait ça de sa campagne et qui aimait ce qu'il faisait. Et finalement, pour le pognon, il a décidé à faire du Pokémon. Le mec, il savait même pas qui c'était Pikachu au TGS 2010. Hein, ok? Au TGS 2010, voilà, il était en train de signer des boobs dans des tournois de Street Fighter 4 à des vieilles meufs de top player. Et le mec, après, il se dit caster de Pokémon. Et ben voilà, c'est ça. C'est ça que vous idolâtrez, c'est la merde que vous regardez. Mais moi, je suis pas là pour parler de ces conneries. Je suis là pour jouer à Metal Gear. Mais vous êtes que 2500, donc visiblement, vous avez pas envie de voir du Metal Gear. Vous vous foutez de ma gueule, vous êtes là pour racler de la merde. Donc moi, je reviens après 30 secondes de pub.
Hunter, putain de merde! Immédiatement, Eban! Arrêtez de jouer avec moi, j'ai peur! Rentrerai directement. Que puis-je pour vous? Donnez-moi des informations. C'est Uma qui m'envoie. Vous avez un message pour moi. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont dit. De qui me parlez-vous? Sur l'honneur,
Il faisait sombre et c'était impossible de dire d'où la voix venait. C'était comme si la nuit me parlait. La voix m'a dit de vous donner le message. Trouve le vendeur près de l'entrepôt, il a des nouvelles pour toi. Est-ce tout ? Non, si vous dites à cet imbécile de Dancan que vous travaillez pour les marchands de Duquette, il vous laissera entrer dans la zone des ouvriers. Attention où tu vas, citoyen. Hey ! Vous pouvez pas me demander ce prix, c'est du vol. Ah!
Alors dites-moi donc pour qui vous travaillez. Je travaille pour les marchands de Ducats. Laissez-moi passer. Arrêtez ce petit jeu, j'aime pas ça.
faut le mot de passe pour entrer. Allez, Joseph. Bonsoir, mon ami. Puis-je vous aider, monsieur ? Uma m'envoie. Nous devons nous parler, vous et moi. Ah, vous êtes l'un d'entre eux, n'est-ce pas ? Que voulez-vous dire ? Aucune importance. Vous cherchez le sanctuaire, c'est ça ? Exactement. Il se trouve sous la boutique de la Dame Bleue, dans l'est du district. Mais les gardes ont bloqué la plupart des rues ce soir, et il sera pas facile d'y aller. Les toits, les petites ruelles et même les égouts sont favorables à tous ceux qui préfèrent éviter d'attirer l'attention. Mais ceux qui habitent ces endroits sont pas forcément amicaux. La première chose à faire, c'est de passer le garde de la porte en bas de cette ruelle. Donnez-lui le mot de passe, Éternité. Il vous laissera passer. Merci beaucoup. Éternité. Un instant. Restez où vous êtes.
Bonne leçon.
Qu'est-ce que vous êtes ? Il a dit qu'on devait bouger toutes les caisses de l'autre côté. Ouais, mais on a juste...
vais te couper en morceaux.
vous êtes. Restez où vous êtes. Come on.
de jouer. Qu'est-ce que nous avons là? On a besoin d'une bonne leçon. Quelle créature rôdait dans l'ombre? Avance et meurs!
Ce petit jeu, j'aime pas ça. Quel pauvre âme a eu la malchance d'interrompre mon festin. Une de celles qui partagent ta soif et ta malédiction. Ah, une voix du passé. Ainsi les rumeurs disaient vrai. Cain marche à nouveau dans Nosgoth. Comment me connais-tu, créature? J'aimerais beaucoup te tuer ici sans plus attendre, mais je suis attendu ailleurs. Bonne nuit. Attends.
Que penses-tu de mes travaux manuels, Kane? J'ai très bien soupé ce soir. Tu n'es qu'un bâcleur et un boucher, vampire. Tu compromets ton existence avec de telles effusions de sang. Mais ce n'est pas mon existence qui est menacée, Kane. C'est la tienne. Tu ne fais que servir les intérêts des Séraphéens, alors? Je ne sers personne d'autre que moi-même. Oh, j'avais presque oublié à quel point je déteste ton air arrogant. Ce sera un plaisir de te faire taire une bonne fois pour toutes. Nous nous retrouverons bientôt. Kid
Rador, le sado-hédoniste réformé de la forêt de Termagent, que j'avais rencontré une fois auparavant, avant qu'il n'endosse son costume de patriarche. Je savais qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Évidemment, qui de mieux que le père des vampires pour mener la résistance? Je suis honoré, Vorador. Épargne-moi tes fausses politesses, Kane. C'est la nécessité qui fait de nous des alliés, mais tu es le bienvenu au sanctuaire. Cet endroit n'a pas la splendeur de ton ancien château, et j'imagine qu'il faudra nous en contenter. Il nous est très utile, mais le temps est compté. La puissance des Séraphéens ne cesse de croître. Bientôt, nous n'aurons plus le moindre refuge. Nous risquons l'extinction une fois de plus. Ils ont déjà cru une fois nous avoir anéantis, mais tu leur as démontré qu'ils se fourvoyaient. Tu as créé une nouvelle race, ce à quoi j'avais toujours échoué, et bientôt je disposais d'une armée. Désormais, nous sommes divisés et en train de disparaître. Alors réveille-toi et crée plus de vampires. Cela exige beaucoup de temps et d'énergie d'en créer un seul, et je n'en ai pas la force. Non, comme Umat l'a dit, nous devons tuer le Seigneur Séraphéen. Une fois vaincu, son pouvoir s'effondrera. Tu es parvenu jusqu'ici, Ken, démontrant que tu étais notre plus puissant atout. Nous devons préparer notre attaque. Vorador! Qu'y a-t-il? Le pire est arrivé. Pardonnez-moi, sire. Uma a été capturé. Capturé? Comment? Uma avait entrepris la fouille du complexe principal du quartier industriel, comme vous l'aviez demandé. Je montais la garde à l'extérieur. Elle m'a murmuré avoir trouvé quelque chose d'important. Quoi donc? Je ne sais pas. Avant qu'elle puisse me le dire, elle s'est fait surprendre par des chevaliers séraphéens. Je me suis précipité à son secours, mais il y avait des gardes partout. Je n'ai pas pu la rejoindre. Je les ai entendus dire qu'elle serait amenée au donjon séraphéen pour y être exécutée publiquement. Non! Puis les gardes m'ont attaqué, et j'ai été forcé de m'enfuir. Pardonnez-moi, Vorador! Nous avons besoin de ces informations. Nous avons besoin de lui sauver la vie, Kane. Oui, bien entendu. Il semble que ce soit moi qu'on charge de cela, sire. Aucun des nôtres ne peut approcher du donjon sans être immédiatement repéré. Tu as le pouvoir de dissimuler ta présence. Néanmoins, l'entrée principale du donjon est bien trop lourde à garder. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois parler à l'évêque de Meridian. Nous avons un allié évêque. Les promesses d'immortalité peuvent être très persuasives quand toutefois en l'avenir a disparu. L'évêque connaît un accès secret au donjon. Tu le trouveras dans la cité haute. Dis-lui que tu viens de ma part et il t'aidera. Et si Uma est déjà morte quand je la rejoins? Alors elle emportera dans la tombe le secret qu'elle a découvert et nos derniers espoirs. Pars sans plus attendre, Kane, et trouve l'évêque. La vie d'Uma est entre tes mains, tout comme les nôtres. Fermé pour la nuit, circulez. Thank you.
madame. Bouton de madame, de madame. Ainsi, les rumeurs disent vrai. Marcus, mon vieil ami. Les mots sont mal choisis, Kane. Nous n'avons jamais été amis. Vas-tu ternir cette rencontre avec de vieilles rancunes? Je t'accorde que nous sommes partis sur de mauvaises bases. Tu as essayé de m'assassiner. Il semblerait que j'ai échoué. Tu craignais mes pouvoirs grandissants. Tu savais qu'un jour, ils surpasseraient les tiens. Est-ce pour cela que tu m'as supplié de combattre à ton côté, lorsque tu as levé une armée pour fondre sur Nosgoth? Supplié? Je n'ai jamais supplié personne. Dans ta très grande arrogance, tu m'as cru mort. Mais j'étais bien plus résistant que tu ne pensais, et j'ai rampé hors de mon refuge, et je me suis caché. Voilà le Marcus dont je me souviens. Et quand les Séraphéens sont sortis victorieux, j'ai su que mon destin reposait sur le Seigneur Séraphéen, et j'ai proposé mes services au vainqueur. J'ai toujours su que tu n'étais qu'un fourbe et lâche opportuniste. Je regrette d'avoir été à l'origine de tant de souffrances pour toi sans que tu aies succombé. Mais cette fois, tu vas mourir complètement, c'est promis. Non, Kane! Une fois de plus, tu m'as sous-estimé. Les dons obscurs se manifestent différemment en chacun d'entre nous. Pendant les années qu'a duré ton absence, mes pouvoirs se sont beaucoup développés. J'ai maintenant la capacité de charmer toutes les choses vivantes, de soumettre leurs esprits et de les faire obéir à mes ordres. Tu t'agenouilleras devant moi, Kane, et le Seigneur Séraphéen sera ravi de voir mon nouvel esclave. Maintenant, obéis-moi! Quoi? Impossible! Sur quel genre de créature t'es-tu entraîné? De faibles imbéciles de mortels à l'esprit marchand? Mon propre esprit est bien au-delà de tes misérables pouvoirs. Peu importe. Mon pouvoir mental m'a quand même permis de lire tes pensées. Tu es à la recherche de l'évêque de Meridian, n'est-ce pas? Il possède une information dont tu as besoin. Très mal. Veillez à ce que tu n'obtiennes jamais cette information. Tu trouveras peut-être l'évêque, Kane, mais quand cela se produira, il sera déjà mort. Pas si je le trouve le premier. Thank you.
de gamme. Bah, qu'est-ce que nous avons là? Vous, là-bas, vous allez me conduire immédiatement au manoir de l'évêque. On nous a dit de guetter un vampire. Mais pas moi, imbécile. Vous me connaissez. Celui que vous cherchez s'appelle Kane. Eh ben, c'est qu'il va pas s'arrêter pour nous dire son nom. Vous devez le tuer à vue. Ce sont nos ordres. Le manoir de l'évêque à l'autre extrémité de la ville. Lui seul peut te montrer un passage vers le donjon séraphéen. Le couvre-feu est déclaré, alors sois prudent dans les rues. Les gardes cherchent des suspects et ils t'attaqueront à vue. Ah!
vais. Laissez-moi. Oh, madame. Yeah.
Arrêtez ce petit jeu, j'aime pas ça. Où est-il passé?
en anglais. Le manoir de l'évêque n'est plus éloigné, mais les patrouilles séraphéennes ont verrouillé les rues. Tu devrais pouvoir te faire ouvrir les portes avec une petite ruse. Trouve la tour de l'horloge et fais sonner sa cloche. Les ouvriers penseront que c'est l'heure du changement d'équipe et ouvriront les portes. Et j'ai dit à la dame... Yeah!
tout utile. Oh.